Eh bien, salut tout le monde et bienvenue chez John pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur FIFA 22 pour la suite de la compétition de la Ligue 1 Uber Eats. Et aujourd'hui, nous allons jouer en extérieur face à Metz. Allons-y, c'est parti. Alors, je vais vous laisser avec Hervé Matou, hein. Alors ne vous inquiétez pas si je ne suis pas en très grande forme. Va commencer dans quelques minutes. Dans un court instant, le FC Metz affrontera le Racing Club de Lens. Donc si je perds ce match, c'est tout à fait normal. Mais je vais essayer de ne pas le perdre, bien sûr. Salut, bienvenue à tous. Vous allez suivre ce match en ma compagnie. Installez-vous. Vous êtes bien sûr entre de bonnes mains, mes mains. Je vais essayer de commenter ce match avec vous. À suivre dans quelques instants, un match de Ligue 1 Uber Eats. Le FC Metz face au Racing Club de Lens. J'espère que la partie d'aujourd'hui va nous offrir du beau jeu comme on l'aime. Bon match, ils vont se taper sur la gueule pendant le match. Je vous laisse découvrir le 11 de départ du FC Metz. On connaît la marque de fabrique de cette équipe. Elle va les presser, aller chercher très haut l'adversaire. Voici la composition du Racing Club de Lens. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1. Une seule pointe. Ah, c'est déjà à moi. Ah ouais. Et c'est parti. Mais non, oh, l'interception, il a tout anticipé. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Oui, le centre peut-être. Et c'est un corner avec l'arbitre. Ah, c'est fatigué. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Et donc sortie de but. Il poursuit son action personnelle. La frappe, oui, puissante, ça c'est sûr, mais là on peut pas marquer comme ça.
Frankowski, putain de merde! Tu aurais pu y arriver! Merde, hein! Mais bon, bah lui, c'est autocar. Il sert à rien, Ah ça mince, sert c'est un à adversaire qui récupère cette passe. Ah, et ça sort en touche. rien. Je suis complètement fatigué là, en fait. J'aurais pas dû me lever à 7h35. Vu Attention qu'on à est ce ballon dimanche. récupéré là très haut. Oh, très bien défendu. Ah non, le ballon est perdu. Ouais, ça s'arrête Mais là. il est Bien joué. récupéré et Oh, non. il n'est pas seul, il a du soutien. Il va faire revenir dans l'axe. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Vincent Pajot. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Ah, le pressing qui Ah. paye dans le camp adverse. Et la voilà la frappe. Et l'arrêt du gardien. Ouais, elle gagne son duel. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Et non, dommage, Et ça va puis s'arrêter là. moi. Bonne anticipation sur cette interception. Il peut le mettre. Non, sans problème pour le gardien. La 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 Cherche le point de pénalty. La récupération est peut-être une action dangereuse. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Et Ça va aux pas enjeux après ce ballon qui a été Wow. dévié. Ouais, bon David, bah va oubliez ce que dégager j'ai ton dit. véhicule, tu gênes. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Quelle occasion, Oh, mais quelle non, mais occasion. non, mais On non, mais était tout près du non! premier but dans cette rencontre. Totoka, putain! T'es nul à chier, mec, hein! Non, je te le dis, là! Gay. Il y a un peu d'espace par là. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Et l'arbitre qui siffle, Oh mais un putain. hors-jeu lui a été signalé. Eh, je vais me recoucher là, c'est pas possible. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. La voie est libre. Allez, il faut le mettre celui-là. Ça presse haut. Attention à ce ballon.
frappe. Bon, attention, c'est pas fini. Attention à la contre-attaque. Ouais, bel exploit individuel. Attention à lui. Ah, elle aurait mérité un meilleur mais sort. Putain, mais il va tenir quand même le bel enchaînement de passes. Cette remontée de ballon magnifique. Tu vas te garder en plus. Non, ça, je suis crevé. Il avance balle au pied. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Quelques statistiques qui confirment la physionomie de ce match extrêmement équilibré. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Ça manque de subtilité, putain, cette non, mais attends. Ce sera pas mal pour problème, les bêtisiers, peut-être. Bah, ta gueule avec ton bêtisier. Non, sérieusement, je suis fatigué, là. Oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ouais, très bonne intervention défensive. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. La bonne interception. Ouais, il lui prend le ballon dans sa moitié de terrain. Il faut qu'il centre maintenant. Attention le tir. Oh, la frappe. Mais la non, frappe. Mais j'arrête pas. Oui, de... puissante, ça c'est sûr, mais là on peut pas marquer comme ça. Ah, le ballon est perdu. Et ce ballon qui est récupéré. Et le coup franc sera ouais. Contre le RC Lens. Réalisateur qui vous rappelle le choc qui nous attend tout à l'heure. Un match que personne j'ai ne déjà dit passionné. Pas tout à l'heure. Qui proposer un match de haut niveau. Ça ne fait aucun doute. Protège son ballon et il gagne quelques mètres. La frappe. Ballon bien négocié par le gardien. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de corner. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas prendre l'avantage? Ça s'agite dans les tribunes. Ah, il est bien tiré le corner là. Il prend sa chance. Allez, le ballon qui est dégagé. Deux minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. Oh, il était temps d'intervenir là. Ah, il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. On va peut-être assister à une contre-attaque. Eh oui, il y a hors-jeu. Il faut être plus attentif à la ligne. Bon, moi je parle plus parce que ça m'énerve. On va revenir à la faute. Mais non! Qui est sifflé, les deux équipes qui font jeu égal pour le moment. L'attaque qui est restée muette pendant 45 minutes. Heureusement que la défense a fait le boulot. Tout reste possible. Et c'est parti. C'est parti pour la seconde période. Le FC Nantes gagne 1-0 contre 3.
Le FC Lorient gagne 1-0 contre Clermont Foot et le Stade de Reims gagne 1-0 contre Angers. Montpellier et Nice n'ont toujours pas marqué et l'OL et le Stade Rennais non plus. Alors, reprends le match. C'est reparti pour 45 minutes. Est-ce sur la trajectoire? Pas de souci. Ballon capté impeccable. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Mais non, finalement, ça a été intercepté. Attention, la contre-attaque. Ouais, pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais. Ouais, c'est un ballon perdu. Voilà, là, il ne faut pas la perdre à cet endroit. Une petite promo là sur le match de tout à l'heure. On attend tous avec beaucoup d'impatience. Ça sera pas manqué hein, cette rencontre. J'aurai un grand plaisir de vous la commenter. Allez, il y a de l'espace devant lui. C'était en plein sur le gardien qui était bien placé. Ouais, bien, ils ont bien pressé. Ils sont allés le chercher ce ballon. Oh, il a enlevé le défenseur. Assez clair pour l'arbitre. C'est un Mais en non. surface. Penalty. Mais non, quoi, mais... Quoi, penalty? Mais non, mais t'es malade ou quoi, mec? Alors, ce n'est pas un joueur, mais deux hein, qui vont entrer sur la pelouse. Ah, trop bien. Un pénalty qui n'est pas cadré. Ah, quel malheur. Ah, très bonne anticipation sur ce ballon. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Ah, la contre-attaque qui se termine avec ce ballon perdu. Interception. Oh, que c'est bien donné ça. Oh, la faute. Ah ouais, pas faute. Correct, ce tacle et l'arbitre, à mon avis, va le carton. Sanctionner. Hein, moi, j'aurais mis un carton rouge, hein. Oh! La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. Je crois que je vais me coucher après. Non, pas me coucher, mais... Ouais, il y va tout seul, énorme occasion. L'action qui n'est pas encore terminée. Mais oh, non! Quelle occasion c'était, ça aurait un petit peu Oh, débloqué la c'est situation. quoi, tu sors toi? Tu te sors, tu m'énerves. Surtout que tu m'énerves. Allez. Attention. Oui, bien fait ça. Ah, une passe qui trouvera le gardien adverse. Ah, c'est un ballon qui est rendu à l'adversaire. C'est un ballon Mais qui sort n'importe en quoi. sortie de but. Oh.
avec ces nouvelles images. Et ils sont à la récupération. On est à l'interception. La touche, très bonne intervention défensive. Farid Boulaya. Le bon tacle. Ouais, lumineuse cette passe. Il peut poursuivre son action. Ah, bien joué, super barré. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, le défenseur qui a perdu le duel. On prend sa chance. Non, mais non, mais non. Mais non. Magnifique ralenti, hein, cette frappe. Même au ralenti, elle va vite. C'est une mine incroyable. Oui, c'est bien, allez, c'est bon, ça. C'est bon, allez. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Allez, qui va reprendre ce ballon. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Le ballon qui change de position. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ouais, l'excellente sortie dans les pieds. Ah, il fallait pas avoir peur. Sortie remarquable, sans faute. Fofana. Il porte le ballon. Eh non, dommage, ça va s'arrêter là. Ah, c'est une perte de balle. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire, hein, qui récupère. Un peu de soutien qui arrive. Il faut essayer de créer un petit peu de mouvement. L'occasion de se mettre à l'abri, et définitivement peut-être sur ce corner. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. La volée. L'arbitre décide de revenir à la faute. L'entraîneur a décidé de faire un changement. Toujours ce retard d'un but. Ce 1-0 qui se dessine pour l'instant, mais il faut continuer d'y croire. Il s'enfonce. Ah, ça peut amener un but. Oh non, quelle occasion! Quelle occasion! C'était l'égalisation là! Peut-être là, la dernière chance d'égaliser d'ailleurs. Je ne parle même plus dans cette vidéo parce que ça m'énerve. Je suis désolé les amis, mais là... Non, non.
Ah, c'est un ballon perdu. Non, il n'y aura pas de danger. Bon, manque de lucidité. Dans un angle aussi fermé, on a peu de chances de marquer. Elle presse cette équipe. Et voilà, elle n'a pas pu se libérer de la pression et il perd le ballon. Le ballon qui est sorti. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Oh, que c'est bien donné ça. C'est mal joué. C'est mal joué ça. Tu vas tirer. C'est dévié. Ce sera une touche. Ah non. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Oh, il est passé. Non. C'est magnifique. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Puis la reprise de volée qui suit, qui est superbe. Rien à faire. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Oh, le vilain tacle. Oh, l'arbitre va sévir, à mon avis. Quatre minutes de temps additionnel. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. C'est finalement un ballon perdu. Il s'infiltre, attention. Elle se double. Laurentin Jean. Oh là là. Je suis fait à l'instant avec cette défaite et ses 0 points donc pour l'équipe visiteuse. Des choses qui ne vont pas dans cette équipe, qu'il va falloir corriger très vite, sous peine de subir d'autres défaites aussi nettes que celle d'aujourd'hui. Bon, allez. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Ça manque de subtilité, cette frappe. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Tout de même, si j'ai perdu. Et prochainement, nous jouerons contre Clermont. Donc voilà, n'oubliez pas de laisser un petit like et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, bye bye!